Alors, je parle en caméra. Il y a le son avec ça. OK, je suis né en 1965. Je suis né l'année que les Beatles ont enregistré Rubber Soul. Je pense que ça a été l'influence la plus grande pour moi. J'ai dû naître avec ce son dans les oreilles, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis peintre. Et on est à la galerie du Viaduc, puis c'est mes amis qui exposent. J'ai demandé à mes amis de présenter des travaux pour qu'on se fasse une soirée avant Noël ensemble. Puis je fête surtout la fin des travaux de construction, les cônes oranges qui vont disparaître bientôt devant ma maison. Ça fait 2 ans. Alors, c'est surtout pour ça. Tu sais que ton... Alain est jaloux de toi. Il a acheté une super, super caméra. Là, tu filmes ou tu... Ah oui, tout ce temps-là, mon Dieu. Je pensais que c'était un appareil photo, tu sais, c'est d'une autre époque. Oui, mais en même temps, qu'il filme. Incroyable. Ça va être au Museum of New York dans 75 ans. Non, le film. Bon, ben alors, c'est mon ami... c'est mon ami quoi? Robert. C'est mon ami Claire, la chèvre, le feu, celle qui me consomme. La lionne. Celle qui me consume. Celle qui lui envoie beaucoup de messages, mais il ne répond pas, tu vois. Genre, parce que ça prenait la synchronicité. C'est toujours comme ça. Ouais. Ben c'est ça, la synchronicité. Du viaduc, hein. OK. On était rendu à Rubber Soul. Alors, je dois dire que la chanson I'm Only Sleeping, qui est sur Rubber Soul, est sur Revolver, en fait. Ça n'a pas rapport, mais c'est pas grave, c'est quand même une de mes chansons préférées. Les Beatles à cette époque qui étaient dans une ébullition créative. Merci. Ça, c'est des verres parce que les gens, ils boivent, puis les gens, ils mettent leur verre à la poubelle. Puis pendant qu'ils prennent un verre de vin, ils parlent de l'environnement. Et dans les galeries, ils prennent pas le même verre.